Bonjour. Écoutez-moi bien, je suis retombé dans une petite addiction que j'avais il y a quelques temps. Une addiction au UFO Catcher. Ces fameuses machines au Japon où il y a une pince, tu mets un euro et le but c'est d'essayer d'attraper l'objet, etc. Alors c'est impossible de gagner en France, évitez d'y jouer parce qu'il y a vraiment 100 fois moins de chances de gagner qu'au Japon. Mais au Japon, il y a un vrai délire challenge et tu peux vraiment réussir à avoir les objets quoi, si tu tryhardes. Donc je suis allé au Japon là il y a un mois pendant 2 semaines et en fait j'ai pas du tout fait du UFO Catcher parce que j'en ai beaucoup fait l'année dernière. Et cette fois en fait j'avais une nouvelle addiction, c'était celle au Gachapon. Vous avez vu à quel point j'en ai acheté beaucoup et à quel point j'ai acheté beaucoup de gachapon Shiba. Ce qui m'a mené bien évidemment à cette magnifique collection que tout le monde aimerait avoir chez soi. Pas du tout. Et à mon retour en fait je me suis dit putain j'ai abusé des gachapon et j'ai fait 0 UFO catcher, j'aurais peut-être dû en faire un peu. Et là j'ouvre mes mails, bam, un mail d'un abonné qui me dit: hey Lucas, t'avais fait il y a 2 ans une vidéo sur un site UFO catcher mais il y avait de la latence à mort et tout, c'était hyper dur. Il y a un nouveau site comme ça qui marche de ouf. Cette fois il y a 0 délai, c'est beaucoup plus simple de gagner, etc. Et alors je vais sur ce site et mec, il y a 1488 objets différents. 1488. Je sais pas la taille du building dans lequel il y a toutes ces machines mais mec ça n'a aucun sens. Aujourd'hui nous allons jouer aux UFO catcher comme on l'avait fait il y a 2 ans sur un site un peu moins foireux avec beaucoup plus de lot, j'avais des trucs qui m'intéressent en plus. Et à la fin de la vidéo, j'y recevrai, je les ouvrirai. Enfin, j'espère, si tout s'est bien passé. Si ça m'est un mois arrivé, bah je sortirai la vidéo avant de les recevoir. Mais je vous partagerai ça sur Insta, suivez-moi, excusez, suivez-moi. C'est pas une OP, je précise, parce que la dernière fois avec la vidéo TikTok, les gens ont cru que c'était une OP pour TikTok. Non, non. Quand c'est une OP, c'est spécifié avec une communication commerciale, vous connaissez. D'ailleurs, vous vous sentez vraiment pas obligé de jouer après avoir vu la vidéo parce que c'est vraiment extrêmement dur. Et ça coûte très cher, genre trouver ces trucs-là sur un site de revente et vous les aurez au vrai prix, quoi. Ce qui est cool sur ce site-là, c'est que on peut voir les gens en train de jouer. Et il y a une sorte de file d'attente. Genre, si tu veux un objet, mais qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'essayer de l'avoir, si tu te mets dans la file d'attente et t'attends, mais tu le vois jouer. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça génial? Vous voyez là par exemple, il y a 4 mecs en attente et on est 37 à le regarder jouer. Vous vous rendez compte ou pas? Il y a toujours 2 caméras, une de côté, une de devant comme d'habitude. Et voilà, et le but c'est de faire tomber le lot et si tu le fais tomber, il te l'envoie. Bon bref, j'ai repéré un item qui me plaît énormément. Je sais pas pourquoi il m'attire, mais il m'attire, je saurais pas l'expliquer. Cette belle caméra! Ah, depuis la vidéo sur les rings d'Orbel là, j'ai un délire avec les caméras, mec, je deviens parano. Je veux recevoir cet objet et je la mettrai là dans mon décor. Ça n'aura pas du tout sa place, ça fera très moche. C'est vraiment les objets où tu sens vraiment le made in China et quand tu les vois dans les magasins, tu les achètes pas du tout. Quand ils apparaissent sur ce site dans un UFO et tout, ils ont l'air géniaux. Alors que je sais qu'ils sont nuls à chier. Ok, c'est parti. Là, il y a que moi, il y a personne sur la machine, il y a que moi, moi et moi seul. On met un crédit, on appuie sur le bouton. Allez, on va en mettre plein d'un coup, hein, on va y aller. Hein. C'est parti. Oh, il y a une latence. Il y a une latence de bâtard, mec. Je vais réellement galérer. Oh là là. Ah non, ça va. Peut-être ça peut passer. Elle passe limite. Oui, non, elle est bien, elle est bien. Eh, alors, pour ceux qui connaissent pas, là, de vous dire, mais Lucas, elle a bougé de 1 cm, arrête de t'enflammer, arrête de faire ton youtubeur. Ah, merde, elle est trop, what the fuck. Mais je vous assure que c'était un bon move. Le but, ça va être qu'elle tombe comme ça et ensuite de la lever pour qu'elle bascule. Incompréhensible ce que je viens de dire. Allez, on y va. On donne tout ce qu'on a en stock. Ok, parfait. Ah non, je suis pile sur la barre, je suis un attardé. En fait, il y a du délai. N'en croyez pas que c'est que je suis. Oh, nul. Attends, quoi que. Oh non, ça va, ça va. L'objet a tremblé. En fait, c'est pas que je suis nul, c'est qu'il y a un vrai délai. Du coup, bah, ça me rend nul. Donc en fait, si, c'est que je suis nul. On a déjà niqué 6 crédits, c'est bon pour vous? Ok, 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 bien, regarde. Ouah, je l'aurais jamais. J'ai perdu espoir. Ça ne bouge pas d'un pet. Faut que je vous dise la vérité. En fait, je sais comment ça marche. Je vous dis une anecdote. Je sais pas si je l'avais dit dans ma première vidéo UFO Catcher, mais en gros, en fait, la pince, c'est pas genre elles ont toutes la même puissance, etc. Pas du tout. C'est genre il y a un mec qui vient et qui touche au bouton de la machine et qui change la force verticale, horizontale, etc. Et donc là, je suis quasi sûr qu'après que le gars ait gagné, le mec, la machine est venue et a baissé la puissance de la pince pour pas que le suivant gagne. Non mais regarde, il tremble à peine, mec. Ça me vénère. Je vais essayer d'aller franco au milieu, en fait. Vous voulez que je vous dise la vérité? Est-ce que chez vous, vous avez fait? Oh. Parce que, en gros, là, je peux plus le gagner. En gros, là, c'est impossible que je gagne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un bouton pour dire au gars, genre de le bouger, quoi? Eh, hey, j'ai 3 viewers, mec! Et il y en a un qui est en réserve! Il y a un mec qui a réservé sa place, ce bâtard. Je remets des crédits, jamais tu me doubles, mec. C'est ma caméra, mec. Jamais je te laisse jouer. S'il a réservé, c'est qu'il y a moyen de l'avoir, cet objet. Donc, je vais tout donner pour l'avoir, même si je sais pas trop comment faire quand c'est comme ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Si je me prends pas la barre, on est bien? Yes, je me suis pris la barre. Ah, ça me saoule qu'il n'y ait pas un bouton pour appeler le gars pour qu'il le replace. Si vous allez au Japon, la technique c'est vous appeler un mec de la salle pour qu'il vous le replace. Je connais ce game, les gars là. Je connais Toreba. Vous êtes en train de m'arnaquer. Et il y a des millions de gens qui sont en train de voir, vous êtes en train de m'arnaquer. Vous feriez mieux de m'envoyer directement cette caméra. Ça me ferait très plaisir. Ah là, c'est pas mal là. Juste avant la barre, genre, attends, ça peut être pas mal. Oui!
C'est pas grave. Des fois, il faut savoir se dire que ça passera jamais. Il faut savoir passer à autre chose, mais c'est dur. On est dans un moment douloureux, tous ensemble, mais on le vit tous ensemble. Et on va se ressaisir tous ensemble pour avoir un objet. Vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Oh, attends, un aspirateur automatique serait bien utile après un passage de McFly et Carlito. Je sais pas pourquoi je suis attiré par ça, quoi. Il y a genre vraiment 1000 trucs géniaux. Je suis attiré par les trucs électroniques pourris. C'est incroyable. Ok, mec. Oh putain, il y a un gars qui est en train de jouer. Et il y a 4 gars qui ont réservé. Tout le monde veut un aspirateur. Merde. Personne n'a d'aspi au Japon ou qu'est-ce qui se passe là? Ok, je suis sur une tirelire où quand tu mets une pièce dedans, le gun s'allume au bout. Je vous jure, hein. Mais c'est quoi cette machine? Par contre, je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est un élastique, c'est quoi? Je l'ai jamais vu celle-là au Japon. Vas-y, et donc. Oh! Waouh, j'adore! Oh, même si je gagne pas, je m'en fous. C'est hyper satisfaisant. Oh, mais mec, regarde comme je le secoue. S'il tombe pas quand je secoue comme ça, il tombera jamais. Mec, c'est impossible. Tu te prends un coup comme ça de la pince, mec, ça te transperce déjà de base dans la vraie vie. Oh, attends, j'ai. Méga bonne strat, mec. Vous êtes prêts? Ok, c'est bon. On l'a. Non mais c'est horrible. Mec, j'appuie dessus, il est à la verticale, il tombe pas. Non, mec, c'est pas possible. Mec, aucun objet ou humain s'est fait secouer comme ça de sa vie. Je suis désolé, et il veut quand même pas tomber. C'est incroyable. Mec, je viens de mettre 60 balles, s'il te plaît, fais-le tomber. Je m'en fous, vous êtes juste en train de montrer à des millions de gens que c'est de la pure arnaque. Moi qui ai défendu les UFO catchers du Japon il y a 2 minutes, à votre place, j'aurais honte. Alors, je sais pas c'est quoi la marque du putain d'élastique qui retient l'objet, mais mec, clairement, je vais en acheter. C'est ça que je veux gagner maintenant, c'est même plus l'objet, c'est l'élastique quoi. Il est incroyable cet élastique. Attends, c'est quoi? En vrai, je vais laisser ma place aux autres et on va voir s'ils y arrivent. S'ils y arrivent genre en 3 coups, mec, alors que je viens de mettre 80 balles dedans, j'ai un seum. Vas-y, joue toi qui es plus malin. Montre-nous comment tu fais. Voilà, fais le malin. Oh, c'est génial quand tu viens de perdre 60 balles et que tu regardes un mec qui va perdre 60 balles aussi. On va avoir un objet. Y a pas des trucs télécommandés? J'ai envie d'un truc télécommandé. Y a bien un truc télécommandé? Attends, je veux trouver un truc télécommandé, moi. Oh, waouh. Robot car. Attends, mec. Allez, je tente. On va voir. Oh là là, attends, je me lève de mon siège. Il bouge beaucoup, mais il faut au moins... Putain, si j'avais mis tous les essais que j'ai mis dans l'autre dans celui-là, mec, putain, j'en serais pas là, quoi. Je suis un putain de débile, mec. Je me décrotte le nerf en pleine vidéo, c'est même pas que t'es au montage. On en est là aujourd'hui. Franchement, ça agrippe, hein. Franchement, avec beaucoup d'essais et de patience... C'est mort. Mais mec, c'est la méga douille. Ça commence à m'énerver là. Elle est de retour la caméra. Est-ce qu'il l'a replacée du coup? Est-ce qu'il l'a replacée ni vu ni connu? Ça me rend fou, mec. Il l'a remis, mec. Elle est exactement comme elle était tout à l'heure. Mais quand je vous dis exactement, c'est genre exactement. Mais vous savez quoi? Cette putain de caméra, je vais la voir, mon pote. Soigné, c'est au millimètre près, c'est pas sur la barre, c'est... Les deux qui réservent, niquez-vous. Si ça bascule comme tout à l'heure, c'est mort. Allez, hop, on quitte cette merde, ta grosse... Attends, y'a un mec qui m'a volé direct ma place pour la caméra. S'il lâche, je pète un câble. Non, il l'aura jamais. Quoique, mec. Oh non, il va la voir. Oh non, je reveux ma place. Oh non, mec, s'il me la vole, c'est un désastre. Oh non, il va la voir. S'il me la vole, mec, c'est... Mec, la honte, c'est comme si on venait de me voler comme ça. Il me vient de passer la même chose. Oh, waouh. Il m'a volé ma caméra, mec. Allez, allez, je tente la deuxième machine. Allez, voilà, on commence tout de suite par une barre. Mais c'est pas grave, le joueur français ne se laisse pas abattre. Oh, il y a 4 mecs en réserve. C'est mort, celle-là, elle est à moi. On le déplace petit à petit, hein. Je sais que là, vous vous dites, mais mec, c'est nul. Je vous jure qu'on le déplace petit à petit. Jamais je l'aurai, vas-y j'excite, ça sert à rien. Vas-y mec, je suis découragé là. Par contre, je vous dis un truc, hein. Si le mec là, il rechope la caméra alors que moi je l'ai pas eu, je vais péter un câble. Est-ce que quelqu'un a eu le Doraemon, là, le truc avec l'élastique là? Il a tellement pas bougé. C'est tellement la douille ce truc là, putain mec. Est-ce qu'il y a un truc juste que je peux gagner? Même si c'est nul, même si c'est genre grave de la merde, c'est pas grave. Juste que symboliquement, contre mes 200 balles, j'ai eu un truc. C'est quoi ça? Une toupie? Une petite toupie, c'est pas dur à gagner une toupie genre. Vas-y la toupie, on tente la toupie. C'est nul. Vas-y, je tente la toupie. On va avoir un objet. Allez, s'il te plaît, je l'ai. Premier coup, je l'ai. Je vois un truc tomber dans le trou. N'importe quoi tomber dans le trou, s'il te plaît.
Allez, on y retourne. La toupie, elle est pour Lulu. Qu'est-ce qu'on va se marrer, c'est quand même une sacrée toupie, quoi. Allez, on y va. On est un peu décalé, mais c'est pas grave, regardez, c'est maintenant. Ouais. J'en ai marre de me prendre la douille. Ça commence à bien faire. Donnez-moi cette toupie. Allez, je tente une dernière fois, histoire de bien s'amuser et d'avoir du contenu pour ma vidéo. Mais j'ai clairement même plus envie d'avoir cette toupie. Elle ne me mérite pas. Oh que non, je suis allé trop loin. Est-ce que c'est la barre, peut-être une barre? Oui, une barre. Une barre. Une barre. Je suis en train de devenir fou. Bon, trouvons un objet qui nous plaît et donnons tout ce qu'on a pour l'avoir. Tout. Allez, on va y arriver. On finira pas cette vidéo sans avoir gagné un objet, je vous le dis. En fait, j'ai compris. Vous savez ce qu'ils font les gens qui vont sur le site? Ils regardent les objets où il y a marqué ça, currently in use by another player, où il y a déjà un mec en train de jouer. Et ils attendent qu'il bouge le truc à fond et qu'il quitte en pensant qu'il a aucune chance de gagner. Pour eux, faire le move qu'il fallait pour faire tomber l'objet. Pour genre seulement 5€, alors que l'autre avant il a mis 70. Et moi j'ai été vraiment ce gars là trop con qui. Non, mec. Non, attends, il y a un autre mec qui va gagner la caméra devant nous, sous nos yeux, là. Ce serait tellement injuste, mec. Je me mets en attente direct. Allez, laisse ta place. Laisse-moi ta place, gros, t'inquiète. Je vais la faire tomber, je te l'envoie, promis. Oui, il a abandonné. J'aurai cette caméra, je l'installerai et elle m'évitera un cambriolage. Vous allez voir, pas la barre. Putain, mais pas la barre. Vous y avez cru, vous aussi? C'est la bonne. C'est la bonne, je crois. Putain, mec, il me reste que 9500 crédits. On a 4 essais et c'est fini. On y va. Oh non, je l'ai remal mis. Non, non, non. Mec, c'est la bonne. Les astres sont alignés. Le monde entier regarde. Vous y va-t-il avoir sa caméra? J'arrive pas à être heureux. Je suis désolé. Je viens de me faire démolir mes morts. Je viens de me prendre la douille de ma vie, la giga douille de ma life. Écoutez-moi bien, je suis extrêmement heureux d'avoir gagné cette caméra. Je l'ai payé cher, mais au moins je l'ai eu. J'aurais pu ne rien avoir au bout. Et ça, c'est horrible. Bon, là, je l'ai eu, certes, à un prix 3 fois supérieur à celui que j'aurais payé si je m'étais fait arnaquer par du dropshipping. Mais au moins, je l'ai eu à la sueur de mon front. J'essaie de nous rassurer. J'ai hâte qu'on reçoive la caméra. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera grave cali, mec. Après tout, c'est pas pour rien qu'on a autant galéré à l'avoir et qu'elle nous revient si cher. C'est pas pour rien. Je vous fuis du regard, j'ai honte. Nous sommes 10 jours après ce que vous venez de voir. Et je n'ai toujours pas reçu la caméra. J'ai reçu seulement hier un lien par mail pour suivre mon colis. Et apparemment il arrive demain à Roissy Charles de Gaulle. Ce qui veut dire qu'il arrive chez moi dans 3 ou 4 jours. Donc je me suis non seulement fait arnaquer, j'ai payé une caméra, probablement factice. Ah oui, j'ai réalisé que vu la gueule du packaging et tout, en fait c'est sûrement une fausse caméra, c'est sûr et certain. Mais au moment où j'ai joué, j'étais convaincu que c'était une vraie. Peut-être parce que bah quand tu mets plus de 200€ dans un truc, tu te dis bon bah c'est forcément un vrai. Mais non, c'est un jeu de hasard et de chance. Le prix de revient du produit n'est pas forcément révélateur de la qualité de celui-ci. Mais mec, c'est frustrant. Non seulement je me fais douiller, mais en plus j'ai même pas le colis pour la fin de la vidéo. Putain. Du coup, dès que je la reçois, je la déballerai en story ou quoi. Je filmerai ici et je mettrai ça sur Insta pour que vous voyez quand même cette incroyable caméra. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Moi, même si je me suis fait arnaquer, ça m'a plu. Je ne le ferai jamais de la vie tout seul dans mon coin. Mais avec vous, je dois admettre, c'était un bon moment. C'était bien marrant. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment. Désolé pour cette fin un peu frustrante, mais vous en faites pas. Fin de la frustration dans quelques jours sur Insta quand je déballerai la caméra. La cage, l'objet en plastique, c'est pas une caméra, putain. Attention quand même, je désamorce, ne évitez ce genre de jeux qui sont vraiment basés sur la chance et vous avez finalement beaucoup à perdre. Je veux dire, je suis sûr que cette caméra elle est dispo sur des sites de revente chinois là pour 3€ même et pas 200 du tout. Je me sens obligé de désamorcer parce que moi je le prends avec le sourire, c'est dans le but de vous divertir et qu'on s'amuse que je l'ai fait. Mais jouez pas ce genre de truc seul dans votre coin, c'est. Sauf si vraiment vous avez de l'argent à perdre. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec peut-être une. Bon, j'arrête pour la caméra, j'arrête, c'est bon, je fais un blocage. Je vous dis à bientôt tout court, portez-vous bien, merci d'avoir regardé. Hasta la vista, ciao.